Bonjour, je suis Antoine, préparateur physique chez Private Coach. Je suis aujourd'hui accompagné de Karl, préparateur physique également chez Private Coach. Et nous allons aujourd'hui vous présenter le développé nuque à la barre. Pour effectuer ce mouvement, le siège doit être redressé. Karl assis dessus, le dos bien droit. Karl va prendre la barre paume de main vers le plafond avec une largeur plus grande que celle des épaules. Alors le mouvement, lors de la descente, on inspire et on va venir placer la barre juste au-dessus du col du t-shirt, entre le cou et le dossier du banc. Dans la remontée, on souffle en poussant. Attention à ne pas descendre la barre plus bas que la ligne des épaules. Et on remonte. Pour réaliser ce mouvement en toute sécurité, plusieurs consignes sont à respecter. La première, Karl doit rester bien droit tout au long de l'exercice. La seconde, Karl doit faire attention à ne pas casser les poignets. Non, les poignets doivent rester dans l'axe de l'avant-bras. Ici. On effectue le mouvement et on fait attention à garder le dos bien plaqué au dossier du banc. On remonte. Surtout, il ne faut pas cambrer en remontant. Sinon, vous allez fragiliser les lombaires. Pour cet exercice, si vous êtes débutant, privilégiez plutôt des séries longues à faible charge pour travailler la technique et votre endurance musculaire. Si vous êtes déjà un adhérent confirmé et que vous souhaitez développer votre masse musculaire, privilégiez davantage des séries courtes avec un peu plus de charge. Vous pouvez également effectuer ce mouvement avec la barre sans le cadre guidé ou avec des haltères. Maintenant que vous savez l'exécuter, à vous de jouer!